Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du jeudi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Les indices boursiers américains ont augmenté mardi, atteignant de nouveaux records de tous les temps car l'accord sur l'ALENA a calmé les peurs d'une guerre commerciale mondiale. Le yen japonais est resté inchangé sur la session de mardi, indifférent au CPI de la Bank of Japan qui a augmenté à 0,5% au-dessus de l'estimation de 0,3%. Un environnement plus joyeux pour les négociations commerciales USA-Chine a amélioré la perspective du brut, qui restait sombre à cause de problèmes d'offres iraniennes. La paire livre-dollar s'est dépréciée de 0,18% sur la dernière session, le SSI montre un ratio vendeur-acheteur de 1,1. La paire dollar-yen a gagné 0,1% sur la dernière session, le SSI montre un ratio vendeur-acheteur de 1,2. Le cours du pétrole brut a perdu 0,4% sur la dernière session, le SSI montre un ratio acheteur-vendeur de 1,3. Le cours de l'or a perdu 0,8% sur la dernière session, le SSI montre un ratio acheteur-vendeur de 4,9. Les revenus personnels aux États-Unis seront publiés à 12h30 GMT, le climat des affaires dans la zone euro à 9h GMT, l'indice harmonisé des prix à la consommation en Allemagne à 12h GMT, le PIB canadien à 12h30 GMT, les approbations de prêts immobiliers en Grande-Bretagne à 8h30 GMT, et l'évolution AIE des stocks de gaz naturel aux États-Unis à 14h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce jeudi. Nous vous souhaitons, de la part de toute l'équipe, une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.